Alors, re tout le monde. Je dis ça le lendemain. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je fais ça d'un naturel déconcertant, on va dire ça comme ça. Je reprends exactement là où j'en étais. Et la scène de la voiture de sport, là, avec le gars impliqué dans l'affaire qui s'est fait renverser. Donc. Le jeune homme faisait de son mieux pour réprimer sa crise d'adolescence, mais sa crédibilité était quelque peu diminuée par les traces de lait visibles sur sa moustache naissante. J'adore la description. Salut, ma gueule. Quoi? Fitzgerald a laissé tomber quelque chose quand il a été renversé? J'ai rien vu, c'est arrivé tellement vite. Le paquet était peut-être tombé hors de vue. Tu as vu un homme habillé en clown? Ici, à Lochmarne, ils s'habillent tous comme des clowns. L'homme que je cherche est un dangereux maniaque. Bon sang, juste comme dans le film que j'ai vu. C'est un clown qui veut la peau d'un gosse qui l'a vu tuer quelqu'un. Il veut prévenir le shérif, mais personne ne veut le croire. Et après, quand il est dans son bain, le clown le découpe avec une tronçonneuse. Quelle horreur! Et c'était autorisé aux enfants de ton âge? Mais de qui vous parlez? J'ai 25 ans? Tu veux rire? Je suis sûr que tu n'as pas plus de 14 ans. Mais pas du tout. J'ai 25 ans. J'ai une voiture, une femme et 3 gosses. 10 gosses même, si on compte ceux de ma femme. Est-ce que le farfadé avait une cicatrice sur la joue? Je ne pouvais pas voir. Il avait un masque débile. Vous êtes un agent secret? Désolé de te décevoir, petit, mais non. Aïe, 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 aïe. De toute façon, l'homme, il l'a pas vu. Tu as déjà vu cet homme? Quelle tête de pervers! Non, jamais vu. Aïe, 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 aïe. Allez, pour se détendre un peu. Qu'est-ce que tu dis de ça, petit? Hé, hey, c'est une serviette à Leary! Il va vous faire la peau. Ce vieux sapin me fait pas peur. De toute façon, je ne fais que l'emprunter. Vous êtes plutôt cool, mister, pour un vieux. Ça parle mal. À plus tard, petit. Ok, mister. Bon, je vais mener l'enquête dans le bar. Les moustaches blanches sur le visage rougeux du barman faisaient penser à des guirlandes sur un sapin de Noël. Mais la ressemblance s'arrêtait là. Le sommet de son crâne luisant faisait plutôt penser à une autre saison. Tac. J'adore cette description. Excusez-moi. Oui, mister? Ce que j'aime bien, c'est que je me dis qu'il a voyagé avec sa barbe d'ouverture d'égout de la France à l'Irlande en avion, tranquille, dans les bagages, une barbe d'ouverture de plaque d'égout. Tout va bien. Ah, la magie du jeu vidéo. Faut le voir comme ça. Puis-je avoir une autre bière, s'il vous plaît? Mais certainement. La même chose? Oui, s'il vous plaît. Comment est-elle brassée? Ça, c'est le secret des maîtres brasseurs, mister. Chaque barrique est manipulée avec soin selon des méthodes ancestrales, habilement suspendues à des cordes d'un chanvre de grande qualité, puis descendues dans le cave grâce aux forces de la gravité originelle, telle une manne céleste. Vous avez servi beaucoup de clowns ces temps-ci? Non, vous êtes le premier du jour. Vous reconnaissez cet homme? Vous me l'avez déjà demandé. Ah, je savais plus, mais je je conçois parfaitement. Écoutez, je dois y aller. Comprenez, d'un épisode à l'autre, un jour passe, vous allez voir ses faces. Enfin bon. Allez, qu'est-ce qu'ils ont vu? Salut. Ouais, bonjour, mister. Alors, la pauvre victime. Vous n'allez pas aider Fitzgerald? Pourquoi faudrait-il que je l'aide? Vous n'avez pas entendu ce que McGear a dit? Il a été renversé par une voiture. Quel imbécile! Les gens disent que je suis idiot, mais je n'ai jamais fait ça. Vous n'êtes pas triste pour le pauvre Fitzgerald? Il ne s'est jamais occupé de moi. Pourquoi je le ferais, moi? À bientôt, j'espère. Excusez-moi, monsieur O'Brien. Hello. Qu'est-ce que vous voulez encore?
Ah, c'est l'érudit, c'est vrai. J'ai le sentiment que Pegram a donné quelque chose à Fitzgerald. Je me disais bien aussi qu'il avait l'air bizarre. Je parle de la pierre précieuse. Il m'a dit quelque chose. Vous n'étiez pas en train de lui parler lorsqu'il s'est enfui du bar? Bien sûr. Juste une petite discussion. Vous connaissez les Templiers? Tout à fait. Une institution remarquable. Vous savez qu'ils ont inventé le système bancaire actuel? Leur empire financier s'étendait de l'Atlantique à la mer Caspienne. Avec une présence dans autant de pays, ils ont dû inventer de nouvelles méthodes pour transférer leurs fonds. Alors les Templiers n'étaient que des banquiers? Je ne comprends pas. Ce sont ces types-là, ces Templiers, qui ont inventé les agios. Oui, d'une certaine manière. Quel sale coup! Et personne ne les a empêchés! Oh, si. Ils ont été arrêtés et beaucoup ont été brûlés vifs. Tant mieux! C'était ce qu'il fallait faire s'il ressemblait à mon banquier. Vous savez quelque chose sur le trépied qui a été trouvé au château? Ça, c'est un grand sujet de discorde et de honte. Il a été trouvé par un de ces Anglais, un malade de l'archéologie. Comment s'appelait-il? Le professeur Pegram, celui qui a trouvé la pierre précieuse. Vous savez où je pourrais trouver Pegram? Vous arrivez un peu tard. Il est mort? Pas encore, mais il a quitté le village. C'est d'ailleurs une pierre dans le jardin de notre barman. Savez-vous où est parti Pegram? Non, désolé. Il a levé l'ancre quand il faisait nuit et a pris le large avant l'aube. Pourquoi a-t-il fait ça? Qui sait? La culpabilité, peut-être, ou une mission secrète. En tout cas, il ne sera pas pleuré à Lochman. Maintenant que les choses se calment avec cette pierre précieuse, tout va redevenir normal. Que savez-vous de la pierre précieuse que Pegram a trouvée? C'est une pierre précieuse à laquelle il ne fallait pas toucher. Il faut être terriblement cupide pour désirer ce joyau. Pourquoi vous intéressez-vous à cette pierre? Vous n'êtes pas un reporter, au moins. Mais non. Dieu en soit loué. Alors, on entend la différence entre les voix enregistrées dans le jeu original et le doublage nouveau pour cette version, on va dire, remasterisée, enfin, remise au goût du jour. C'est pas si gênant que ça, finalement. Mais bon, dans la première seconde, ça peut être surprenant. Pourquoi l'hôtelier est-il si contrarié de la disparition de Pegram? Il a perdu un client. Voilà pourquoi. Pire, il n'a pas été payé pour ses services. Pauvre Michael, cette affaire le rend malade. C'est compréhensible. Vous pouvez me parler du propriétaire? Michael Leary? C'est un homme qui pense être raffiné. Mais sa définition du raffinement, c'est de mettre du papier journal dans les toilettes. Je n'ai jamais compris pourquoi il a fait ça. C'est bien trop sombre pour lire là-dedans. C'est vrai. Vous avez déjà passé la main sur les portes des toilettes? Les graffitis sont écrits en braille. Oh, c'est dégueulasse. Ah, j'adore. Aïe, 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 aïe. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Bon bah, bonne journée. Ouais, non, je sais pas si j'aurais quelque chose d'intéressant avec lui. Je peux toujours essayer, mais je pense pas. Je sais plus. Ouais, bonjour. Quoi? Ah si, il m'en parle aussi. Je cherche Sean Fitzgerald. Vous l'avez vu? Jamais entendu parler. Vous n'êtes pas d'ici? Ça ne vous regarde pas. Je ne vous ai pas demandé d'où vous étiez, hein? Je viens de Californie. Oh, c'est votre problème. Si j'étais une femme, je n'apprécierais pas trop un collier en fil de fer. Ce n'est pas pour une femme. Je m'intéresse à quelque chose d'un peu plus succulent que les femmes. De la chair tendre et douce comme celle d'une vierge. Des os souples et blancs comme ceux d'un bébé. Les lapines, mon ami. C'est ça qui me donne le chair de poule. Je voudrais pas dire, mais le propos là est plutôt malaisant. Bref, c'est particulier, hein. Vous avez vu Fitzgerald aux fouilles de Pegram? Je ne connais ni l'un ni l'autre. À moins que ce soit de l'humour irlandais, mais bon, moi personnellement... Oups. J'aurais préféré que la réplique soit passée sous silence. À plus tard. On va dire que ça compte la vide. Et encore, je préfère me dire que je suis un imbécile. Et que j'ai pas compris qui c'est l'humoristique. Enfin bon, bref.
Salut, c'est encore moi. Je vois. Que voulez-vous? Voilà, forcément. Vous n'auriez pas vu une voiture de sport rouge dévaler la route? J'ai aperçu un objet rouge sur la colline et j'ai entendu quelque chose. Un bruit terrible, même. Une voiture de sport, vous dites? Une Ferrari, pour être précis. Une voiture de course? Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Le pauvre gars avait dû se perdre. Le conducteur de la Ferrari a provoqué un accident. C'est vrai? Oui, il a renversé quelqu'un qui sortait du bar. Quel imbécile! Comment est-ce possible? Il allait trop vite. Tellement vite qu'il est passé sous la voiture? Je veux dire, la voiture allait trop vite. Mais l'autre idiot aurait dû l'entendre arriver. Peut-être que vous connaissez le gars qui a été renversé. Il s'appelait Sean Fitzgerald. Oui, je le connais bien. C'est mon neveu. L'idiot qui a entassé le foin n'importe comment. Il a été tué par la voiture. Ah non, il semble qu'il n'ait rien eu, mais on l'a kidnappé. Voilà deux nouvelles excellences. Oh mon Dieu. Vous n'allez pas rechercher votre neveu? Pourquoi donc? D'après ce que vous dites, il est trop tard. On pourrait au moins le signaler à la police. Vaut mieux pas. Et qu'est-ce que ça ferait? Il pourrait lancer des recherches. Ils n'ont qu'une bicycle comme moyen de transport. Dans un cas pareil, je miserais plutôt sur la Ferrari gagnante. C'est n'importe quoi. Il faut que je vous dise dans quel pétrin Sean s'est mis. Je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Mais vous êtes son oncle, son sort ne vous intéresse pas? Si, mais qu'est-ce que je peux faire? Si je m'en vais, il y aura bien débile pour grimper sur le tas de foin. C'est un vrai dilemme. Restez ici et gardez cette édification agricole potentiellement mortelle ou partir à la recherche de mon neveu prodige, celui qui est responsable pour tous ces soucs. Ça mérite réflexion. Pourquoi ça ne pose pas de problème? Vous avez raison. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Nous allons démolir cet entassement. Eh ben, dis donc. Inutile de démolir les bottes de foin pour partir à la recherche de Sean. Je vais rester ici et je préviendrai tous les gens assez stupides pour vouloir grimper. Génial! Je vais commencer mes recherches au bord. Je le regardais partir en direction de McDevitt, puis je me concentrais sur cette terrible meule de foin. Et je m'en souviens de ma première partie d'il y a des années. À l'arrière de la charrue, il y avait un amas incroyable de bottes de foin dangereusement appuyées contre le mur. La meule de foin était plus basse que le mur. Même en me mettant sur la pointe des pieds, le mur était trop haut. J'aurais voulu être comme Alice au Pays des Merveilles. Eh oui, parce que si on essaye... Voilà. Forcément. Et là, il observe... Il y avait une petite fissure entre deux pierres. Ce mur ancestral donnait quand même des signes de faiblesse. Et c'est là où on devine, dans la magie du jeu vidéo, comme je disais tout à l'heure, la barre qui nous avait servi à ouvrir la plaque d'égout à Paris, elle va nous servir ici, en Écosse, en Irlande, pour accéder à la muraille. J'insérais le bout de la barre en métal dans la fissure et je poussais fortement. Elle dépassait du mur en formant une espèce de marche. La barre en métal était solidement ancrée dans la fissure et offrait un point d'appui. Voilà, on va pouvoir continuer la progression paisiblement. Alors, la bête, je sais pas si c'est une chèvre ou un bouc, mais normalement... L'animal devrait nous poser problème. Il y a ça. C'était un bout de fer rouillé, peut-être un morceau d'une vieille charrue. Parce que je crois que je peux pas y aller, elle va nous charger. Non? Ouais, oh la vache, pardon. Non, la chèvre. Mais ouais. Je sais plus ce qu'il faut faire. Faut peut-être lui donner un aliment. Mais j'ai pas d'aliment. Attendez, là, je sais plus. Je me souviens de l'épisode de la chèvre. C'était chiant. Attends, je peux pas manipuler ça? Mais je vais me faire charger du côté, non? Oula! La corde qui retenait la chèvre était prise dans la charrue. Moi, qu'on peut dire, c'est que Georges y aura mis de sa personne.
Ouais, mais ça neutralise la bête ou pas? Ah! Oui, la main est plus... Ah, nickel. Ah, oh, trop bien. Voilà, ça c'est un édifice des Templiers. Cool. Oula, il y a au moins 4 points. Bon, en dehors de la sortie, évidemment, de là d'où on vient. Attends, ça m'intrigue par contre. Le sac contenait une fine poudre blanche. C'est-à-dire du talc. Ça, pardon, ça doit être du plâtre. Derrière l'autel, il y avait un panneau sculpté représentant des animaux et des plantes. Quelqu'un avait gravé un dessin de 5 trous sur le mur. Mmh. Ah. Loupe. C'était une statue tombée de son emplacement sur le mur. 5 doigts de pierre étaient visibles à l'arrière de la sculpture. La statue était trop lourde pour être tirée hors du sable. La statue gisait sur le dos dans le sable. Mmh. En remettant la pierre debout, je remarquais qu'elle avait laissé des trous dans le sable. Ouais, tu m'étonnes. Les 5 doigts à l'arrière de la statue avaient laissé des cavités dans le sable. Je pense pas que je puisse manipuler directement. Je plaçais mes doigts dans les 5 cavités créées par la chute de la pierre. Bizarrement, elle correspondait parfaitement. Mmh. Attends, voir... Ouais. La logique voudrait que... Je plaçais mes doigts et mon pouce dans les cavités, mais rien ne se passa. J'essayais en vain de bouger le panneau. Quand je plongeais mes doigts dans la fine poudre blanche, je compris ce que c'était. Du plâtre de Paris, j'en utilisais à la maternelle pour créer des empreintes de pattes d'animaux. Ouais, tu m'étonnes. J'aime bien le gémissement. J'essayais en vain de bouger le panneau. Quand je le fais mal. Aïe, aïe, aïe. Alors, ben on va mettre le plâtre. C'était une poignée de plâtre laissée au château par l'équipe archéologique de Pegram. Voilà une idée qui est la bonne. On va faire un moule. Je répandis le plâtre sur le sable jusqu'à ce que les trous soient pleins. Le sable, là où la statue était tombée, était recouvert d'une épaisse couche de plâtre. Ouais, sauf que... Je mélangeais le sable au plâtre. C'était la première fois que je bricolais. Ouais, mais le souci, c'est qu'il faut foutre de la flotte. Ça, c'est pas assez humide. On n'arrive pas. La serviette, elle est pas assez trempée. Il faudrait que je la mouille. Ah! Je pressais la serviette très fort, mais elle était à peine humide. Ouais, faut la réhumidifier, ça marchera pas. C'est beaucoup trop sec. Il faudra que je revienne. On est bien d'accord, j'ai pas ce qu'il faut. Ouais, non, je vois pas comment je peux générer de l'eau avec ça. Il faudra que je retourne au bar demander de l'eau. Tiens, je sais pas, je vais faire la Cosette. Salut, ma guerre. Quoi? Ah, il n'a rien d'autre à dire. Allez, le plâtre. Tu sais à quoi sert cette poudre blanche? Non. Ah non, il n'y a rien d'autre. À plus tard, petit. Ok, mister. Drog. Non! Non!
Excusez-moi. Oui, mister? Oui, allez, on va... Et si je prenais un autre verre? La même chose? Vous avez des cocktails? Non, mais j'ai des cocktails, si vous voulez. Sérieusement, vous n'avez jamais pensé à transformer Mac Davids en bar à cocktails? Les cocktails, c'est moderne, c'est chic. Et les jeunes aiment bien ça. Quoi? Des jeunes dans le bar? Vous imaginez? Babyfoot, cri et bagarre. Ok, je vois. Bon, une autre bière brune, alors. Ça fait du mieux quand on s'adresse. Bon, allez, la poudre blanche. Est-ce que ça ne m'intéresse pas? Bah, oui, mais enfin, je vois pas comment je peux lui demander de l'eau. Écoutez, je dois y aller. D'ailleurs, j'ai souvenir qu'il faille lui choper son truc quand il est terminé. Enfin, je vais voir les dialogues avec lui. Salut. Ouais, bonjour, mister. Ouais, non, il n'y a rien d'autre. Si je parle de la du plâtre. Vous reconnaissez cette poudre blanche? Pas du tout. À bientôt, j'espère. Faire l'autre parce que j'ai... Excusez-moi, monsieur O'Brien. Hello. Qu'est-ce que vous voulez encore? La poudre, il est très cultivé. C'est quoi cette poudre blanche, selon vous? Est-ce du bicarbonate de soude? Ah, pas mal. Bon, bah, bonne journée. Si je parle de la... Excusez-moi. Oh. Oui, mister? Faut que je présente la serviette. Puis-je emprunter cette serviette? C'est pour vous. Pardon, eh ben c'est contagieux, excusez-moi, moi-même. Elle est bien bonne, je m'enrhume. Non mais on peut... il peut être complètement pimpette, genre... Eh, hey, donne-moi une autre bière, mec. En fait, donne une autre bière à tout le monde. Allez, mes potes, c'est la fête aujourd'hui. Je crois que vous en avez eu assez, pas vous? Eh, hey, écoute-moi, c'est normal, quel est ce goût? La bière brune de Gopalin est faite à partir des meilleurs produits chimiques du monde. Écoutez, je dois y aller. Dès qu'il dépose son truc, je chip. Rien à péter. Le type était assis dans un coin comme s'il faisait partie du décor. Ah, non, merde, dis-moi. Ah, je l'ai. Dès que le vieillard tourne à la tête, j'attrape le fil de fer. Ça va, il a rien remarqué. Eh, bonjour. Quoi? Tiens, la serviette. Vous voulez utiliser cette serviette? Je voudrais bien, mais après, vous n'aurez plus qu'à la jeter. Ça aurait été dégueu. Je cherche de l'eau. Oh non, c'est un pignon. Non, bah, je vais pas lui parler de son. À plus tard. Le fil de fer va servir à je sais pas quoi. C'est quand même pas le gars qui joue le jeu. On n'a pas l'interaction avec. Il n'écoutait pas. Eh oui, tu parles, mais il n'y a aucune utilité dedans. Attends, comment je pourrais faire, moi? Non, je peux pas aller. Je peux pas aller. Ah, mais... Non, je peux pas interagir avec le décor. Alors, ou alors j'ai oublié de faire un truc ou quoi? Ça, je l'avais touché. Le couvercle en plastique avait été détruit et un interrupteur était visible. J'abaissais le bouton, mais il se cassa. Ouch. Et là... C'était une trappe sur la chaussée. Mais je peux pas l'ouvrir, le truc il est scellé, non? Je tirais sur la trappe, mais elle était fermée de l'intérieur. Ah. Et le petit jeune, il me dit rien d'autre. Ouais, je pense que le bouton va me... Salut, ma gear. Quoi? Non, j'ai rien à lui dire. Peut-être le fil de fer.
Selon toi, à quoi sert ce fil de fer? À voler des voitures. Pardon. Mais il y a un problème. Le policier du village? Non, à Lockmount, personne n'a de voiture. À plus tard, petit. Ok, mister. Aïe, 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 aïe. C'est peut-être l'élément perturbateur, c'est le... Je pense pas que le propriétaire va me parler de... Excusez-moi. Oui, mister? Ça avait sauté pendant le... La voiture a percuté le panneau, c'est pour ça qu'on y est passé. Tavernier, encore de la bière. Je crois que vous en avez eu assez, pas vous? Je suis désolé, mais la pompe semble cassée. Ah bon? Je peux vous la réparer. Je ne pense pas, c'est un travail pour un professionnel. Tant pis, au moins le lave-verre marche, lui. Oh. Ce n'est pas mon jour, on dirait. La bonne veine. Écoutez, je dois y aller. Ah ouais. C'était un lave-verre électrique. Il avait l'air encore plus vieux que le barman. Ça parle mal. Bah attends, je vais lui réparer. Je ne voyais pas ce qui clochait avec cette machine. Je pensais que c'était les fils électriques. Je peux rien faire. Ah, le fil va servir. Je ne voyais pas ce qui clochait avec cette machine. Je pensais que c'était les fils électriques. C'est pas comme ça que je réparais son truc. Ah non, il est pas d'accord. Je sèche. Pour prendre une dos. La bonne manière. Excusez-moi. Oui, mister? Non, ben non, il peut pas lui demander. Tavernier, encore de la bière. Je crois que vous en avez eu assez, pas vous? Je suis désolé, mais la pompe semble cassée. Mais c'est le truc de... Je vais me faire passer pour un électricien. Eh bien, il se trouve que je suis électricien. Bah, regardez voilà. Ma carte. Ça alors, c'est fantastique. Cet établissement est totalement hanté par des fils électriques mal embouchés. Et vous apparaissez, un petit électricien. Avec ce carton plastique pour le prouver. Je veux quand même vous voir à l'œuvre avant de vous confier ma pompe à bière. Commençons d'abord par le lave-vaisselle. Quand vous aurez terminé avec ça, vous pourrez jeter un coup d'œil à la pompe. Ah, il y a plus de trucs. Non, attends. Je ne voyais pas ce qui clochait avec cette machine. Je pensais que c'était les fils électriques. Et là? C'était une prise électrique reliée au lave-verre. Oui, et donc? Je faisais appel à toutes mes connaissances électroménagères pour examiner cette prise. Il ne se passe rien, visiblement. Le fil sur le... Mais non, mais je vais faire cramer l'établissement, moi, non? Je remplaçais le fusible par un fil électrique. Oh. Je savais que c'était risqué, mais j'étais trop désespéré pour me soucier des règles de sécurité de base. Excusez-moi, monsieur Leary. J'ai réparé votre machine à laver les verres. Béni soit les saints, c'est merveilleux. Une pinte de bière pour cet homme. Cadeau de la maison. Et maintenant, vous pourriez jeter un coup d'œil au système de pression? Je pense que oui, mais je ne vous garantis rien. Si vous n'arrivez pas à la réparer, il va y avoir une émeute. La pompe est dans la cave, c'est ça? C'est ça. Vous trouverez une torche quelque part en bas. Ah, un nouveau lieu s'offre à nous. Cool. Mais j'ai souvenir qu'en bas, c'est balèze. Attends, j'ai ça. Waouh, si c'est comme Nicole avec la chambre... Avec la chambre maçonnique là, enfin dans les sous-sols de Paris, c'est même pas la peine. Je peux m'avancer beaucoup ou pas? Non, visiblement. Attends, est-ce que je peux aller à l'autre extrémité? Non. Bon, bah je vais faire ça.
C'était le levier pour maintenir la porte. Maintenir la porte. Quelle porte? Il y a une porte devant moi? Je poussais le levier. Un craquement s'était fait entendre, mais apparemment rien n'avait changé. Oh le rat! Oh subtil là, pour la flip. L'animation du rat. Je comprends pas, je vais poser des questions. Je comprends pas là, faut qu'il m'explique. Excusez-moi, oui, mister? Ok. Regardez ma carte. Mais je l'ai vu, bon sang. Écoutez, je dois y aller. À moins que ça... Ah... Attendez voir... Oui, il disait que c'était fermé de l'intérieur. Ah, trop bien. Je soulevais la trappe et une insupportable odeur de bière éventée me sauta au visage. Je regardais le sol en pierre là-bas. Il était beaucoup trop loin pour sauter. Excusez-moi, j'avais ce drôle de nœud dans l'estomac, une douleur que j'associe habituellement à l'opéra comique. C'était Karn. Il y a un problème? Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques minutes? Non, quoi? Un homme a été victime d'un terrible accident. Je n'ai rien vu du tout. Et le garçon? Il n'a rien vu non plus. Et puis le gosse, vous savez, dans ces communautés rurales, pas assez de renouvellement génétique. Je priais pour que McGear puisse tenir sa langue. La victime est gravement atteinte? On s'occupe de son cas, mais on pense qu'il a laissé tomber un petit paquet. Vous ne l'auriez pas trouvé par hasard? Si c'était le cas, je l'aurais remis à la police. Bien sûr, merci. Vache. je sais plus quoi faire. Je sais pas si on va avoir plusieurs confrontations face à Cannes. Parce que là, une aussi directe, ça... Wouh! Adrénaline. Je sais plus quoi faire. Attends, je suis en position de quoi? Je sais pas s'il y a un truc à me dire. Salut, McGear. Quoi? À plus tard, petit. Ok, mister. Enfin, j'y voyais. J'avais trouvé la lampe de Leary. Je remarquai alors une lumière scintillante derrière la trappe ouverte. C'était le joyau de Pegram, une grosse pierre bleue qui n'avait pas été taillée. Je me demandais si elle m'avait déjà envoûté. Vous l'avez trouvé? Quoi? Je ne sais pas ce que vous cherchez. Oui, écoute, McGear, tu peux garder un secret? No problemo. Refile-moi juste une bière. Pas question, tu es trop jeune. On pourrait la vendre et se faire du blé. Laisse tomber, petit. Je ne peux pas faire ça à Mr. Leary. Moi si. Ce vieux grincheux le mérite bien. Si tu veux m'aider, continue à regarder si tu vois le type en costume. D'accord, mais ça vous coûtera un paquet de chips. Écris fort si tu vois la Ferrari. C'était un robinet rouillé. Le robinet grinça, tout ça, et cracha un jet d'eau rouillé. Mmh. Eh ben, c'est là qu'il faut que je fasse mon plâtre. Enfin, je pense pas. Non, c'est débile. Mais je peux mettre le plâtre directement dans l'eau sans que je m'appuie. Oh la vache. C'était une grosse pierre précieuse de couleur bleue. Oui, en effet. C'était la lampe de poche du barman. Okay. Oui, bah, il me faut la... Enfin, je pense que c'est ça. Je vais pas prendre le mouchoir dégueulasse de Paris. D'ailleurs, je sais pas à quoi il va me servir, mais... S'il me sert un jour, si, forcément... Je maintins la serviette sous le robinet. Elle se gonfla rapidement d'eau. Alors, j'ai peut-être éteint le... Voilà. Je fermais le robinet aussi fort que je pouvais, mais il continuait à goûter. Ouais, bah, au moins, on fera des économies avec ça.
On fera des économies avec ça. Du coup, le bar, j'en ai plus rien à péter. Je vais me barrer dans le château. Au revoir, messieurs, dames. Adieu. je vais faire mon moule Nico Presto. Oui, parenthèse, je repense à ce qu'il disait tout à l'heure l'érudit dans le bar. Le système bancaire inventé par les Templiers, ce qui est fort juste historiquement parlant. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'histoire de France d'ailleurs, de manière générale, ou l'histoire tout simplement, au niveau jeux vidéo, si vous voulez voir l'épisode. Vous savez que je commence chez mon ami FunFan1992, des épisodes commentés chez lui. Allez voir sa chaîne YouTube. Vous tapez FunFan1992 sur YouTube. Et j'ai plaisir avec mon bon copain FunFan de commenter les jeux vidéo qu'il fait. Et il a fait Deus Ex, que nous aimons beaucoup tous les deux. Dans Deus Ex, ce jeu-là, vers la fin, le passage-là, les Templiers qui créent le système bancaire, y est expliqué, c'est vachement bien. D'ailleurs, même ma propre chaîne sur YouTube aussi, vous pouvez le voir. Je l'ai fait aussi il y a quelques années. C'est génial, c'est super enrichissant. Mais c'est un autre jeu, donc je vais pas troubler l'histoire qu'on vit là avec les deux tourtereaux à amener l'enquête. Mais c'est super intéressant. Donc, je reviens à notre moule. Si je me penche sur la... Voilà. Et si j'ai que j'ai une interaction avec la... Elle est trempée. C'était une serviette rectangulaire sur laquelle étaient brodés les mots. La bière Gopaline, c'est la forme. La serviette était complètement trempée. Ah, tant mieux. Parce que j'avais peur que pourquoi qu'elle s'assèche, il y avait peut-être un chrono. J'ai un vague souvenir de ça, moi, quand j'y avais joué il y a longtemps. Le filet d'eau fut rapidement absorbé par le plâtre. Et là, non, c'est bon. Mon moule improvisé séchait lentement. Je sortis le solide morceau de plâtre du sable. En dessous, on voyait la réplique parfaite de la statue. Et maintenant, j'ai la clé. Voilà. Le moulage en plâtre était une réplique assez réussie de l'arrière de la pierre, avec les doigts qui sortaient. Et ça, je l'applique à la serrure. Le moulage durci rentrait parfaitement dans les cinq cavités. Il y eut un léger choc, puis plus rien. Yeah. Sésame, ouvre-toi. Alors, j'ai tellement bien avancé, on est quasiment à 40 minutes. Je suis content, je joue trop bien. J'enregistre dans je sais pas quoi. J'enregistre, coup du bar... Templier, Irlande. Je veux dire, Hippo Irlande. Non, il y a d'autres pays, je crois, à faire. On la voit sur la carte de voyage. Bago. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre des Templiers? En espérant que ce soit pas piégé. Puis c'est bien maintenant, il y a la lampe torche. Mon faucon. D'accord. Le soir même à Paris. Ah ! Non ! On incarne Nicole comme ça sur le tard ? Ah ! Et si je lisais son journal ? Je sais plus où est-ce que j'en étais. Je sais plus, j'avais lu quoi. Je pense que je dois reprendre à rencontre avec Plantard une entrevue explosive parce que ça a ouvert la sixième page. Donc je vais en être là. Donc voilà, le journal pour résumer les événements avec la demoiselle. Rencontre avec Plantard, une entrevue explosive. Comme convenu, je suis arrivé pour rencontrer Plantard, mais quelqu'un avait fait exploser le café. Plantard était la nouvelle victime du tueur déguisé. Suis-je la prochaine sur la liste? J'ai rencontré un Américain. George, qui était là au moment de l'explosion. Il veut absolument découvrir ce qui s'est passé, je lui ai donné mon numéro. J'espère avoir bien fait, il manquait plus que ce soit un enquiquineur. George a appelé, il a trouvé des indices. Je lui ai dit de passer cet après-midi, il faut que j'en apprenne plus avant sa venue. Mais la police, puis-je leur faire confiance? Je suis heureuse que quelqu'un d'autre enquête aussi.
Fleur, la fleuriste, m'a dit qu'une femme qui me ressemblait était entrée chez moi. Il doit y avoir des micros partout. C'est sûrement comme ça que Plantard a su, pour l'article. Plantard a dû prendre peur. C'est peut-être pour ça qu'il a voulu me parler et me raconter ce qu'il savait. L'organisation de Carchon me surveille, mais n'a pas l'air de vouloir me tuer, pour l'instant. Et le tueur déguisé, je ne comprends toujours pas comment ni pourquoi j'ai bien pu me retrouver impliqué dans tout ça. La police n'a pas vu toutes les preuves dans le café, mais ça ne m'étonne pas. J'ai trouvé une sacoche contenant un nouveau message codé et un mystérieux objet métallique avec un symbole qui me rappelle quelque chose. Le message codé était adressé à Plantard, de la part d'Imelda, donc la veuve du politique qui a été victime du premier meurtre, là. La première victime. Celle-ci faisait clairement partie de l'organisation et m'avait menti. C'était une sacrée comédienne. Elle prévient Plantard que le meurtrier va essayer de la tuer. Plantard avait sûrement l'intention de me dire ou me montrer quelque chose. Oh non, papa. La deuxième partie de la photo le lie directement à Carchon. Mon père faisait partie de son organisation. Lui aussi, il avait commis des crimes de guerre. Non, je n'arrivais pas à le croire. Papa est le lien de toute cette affreuse histoire. Était-ce à cause de lui que Carchon avait demandé à me rencontrer? J'espère que Georges trouvera quelque chose. Mais cette histoire, ce sera mon secret. Eh ben, dis donc. Je refais le tour complet de son appart ou pas? Je sais plus ce qu'il y avait là. Ah non, c'était son nounours, là. Ah, peut-être qu'elle va appeler quelqu'un. Je n'avais personne à appeler. D'accord. Ah, le répondeur qui clignote rouge, peut-être. J'avais des messages en attente. Ah. J'avais des messages en attente. Vous avez 3 nouveaux messages. D'accord. Salut, Collard. C'est moi, ton rédac chef préféré. Devine quoi? Je vais te laisser une deuxième chance. J'ai besoin de quelqu'un pour la rubrique télé. Ça paye pas terrible, mais c'est mieux que rien. Si ça t'intéresse, passe me voir au bureau. En fait, passe quand même, Nico. Il faut qu'on parle. Ton article, celui que j'ai mis au panier. Il revient sur le tapis. Tu t'es fait des ennemis très dangereux. Salut, Nico, c'est ton vieux pote. Ton nouveau pote, George. Waouh, l'Irlande, c'est complètement différent comme pays. Incroyable. Et j'ai des super nouvelles pour toi. En fait, il y a de quoi écrire un article d'enfer. Oh, il faut que je file. J'ai un verre qui m'attend. On se voit demain, Nico. Slancha. Eh oui, je ne suis là que depuis une journée et je parle déjà l'argot comme les gens d'ici. Mademoiselle Collard, c'est Imelda Carchon. Je voulais vous remercier pour avoir été aussi compréhensive quand... Voulez-vous venir déjeuner avec moi? Disons demain, j'aurai peut-être du nouveau. Un certain monsieur Merlin vient me voir ce soir. Il m'a dit qu'il savait que Pierre avait été assassiné. En fait, il doit arriver bientôt. Je vous raconterai ce qu'il m'a dit. Au revoir, très cher, à demain. Merlin, mon Dieu, Merlin est le tueur. Il faut que j'aille là-bas tout de suite. Quand il s'agissait de jouer les hypocrites, Imelda faisait partie des meilleurs. Je ne lui devais rien, mais je ne pouvais pas la laisser mourir. Alors, à mon arrivée, je trouvais la cour du Palais Royal déserte. J'espérais seulement avoir devancé l'assassin. Il fallait que je prévienne Imelda avant qu'il ne soit trop tard. Elle avait dit vrai au tout début de l'histoire, quand elle avait mis en garde, comme quoi elle était peut-être potentiellement une future victime. Mais ça, par contre, je m'en souvenais pas. Je me souvenais pas que la veuve allait elle-même être... Je croyais qu'elle était écartée ou qu'on la retrouvait à la toute fin. Mêlée à peut-être au complot, je sais plus. Un câble ordinaire servant à maintenir une œuvre d'art moderne. Oui. L'ensemble tenait grâce à des câbles. Ce n'était peut-être pas de l'art après tout. Peut-être un relais pour les téléphones portables. Les gens se demandent à quoi peut bien servir l'art moderne. Je leur réponds que c'est évident. Je flippe avec les corbeaux. Je crois que c'est dans le jeu, mais je peux aussi avoir des corbeaux chez moi. Donc comme j'enregistre avec des écouteurs dans les oreilles, dans les cages à miel, comme dirait l'ami Poupon, que j'embrasse d'ailleurs au passage, je suis perturbé. Bref. Si seulement j'avais pu arriver jusqu'à la fenêtre. Mmh.
Elle peut pas passer par la porte? Pourquoi elle rentrerait directement dans la fraction? Ça n'a pas de sens. C'était une sonnette. Oui, la porte d'entrée de Carchon. Il y avait une marque fraîche sur la peinture. Le genre de marque que laissent les crocheteurs de serrure. Hein? Si j'avais raison, Imelda apprenait quelque chose avec un mime. Et c'était pas le coup du mur invisible. Ah. Ouais, non, je suis sonné, je suis pas entré par l'appareil. L'interphone ne fonctionnait pas. Mauvais signe. Quelqu'un avait coupé le fil. Ah merde. Il y a peut-être déjà. Ben, va crocheter la serrure. Allez, vas-y, apprends, ma grande. Une barrette à cheveux pour forcer ce genre de serrure? Ça aurait pu marcher dans un film, mais pas avec moi. Ah mon dieu! Elle fait pas comme Jill Valentine. Non, c'est la clé du salon, on est d'accord. Non, c'est la clé de leur salon. Oui, elle est marrante, elle aussi, dans son jar. je sais pas comment la porte... Ah bah si. Ah oui, si j'entre chez eux avec la... Mais oui. J'ai avoir accès au salon, là, au coffre. Du coup, si elle est morte. Je suis perturbé, une fois de plus. Il me faut pas grand chose, je sais, mais. Oui, donc faut se servir de la sculpture pour monter. C'était solidement fixé, sûrement pour empêcher son vol par des détracteurs. Qui d'autre serait intéressé? Faut que je sabote les câbles. J'avais détaché le premier câble. Ouais, mais je vais faire un vacarme d'enfer. J'avais détaché le second câble. Même après avoir ôté les deux câbles, la statue restait droite. L'ensemble tenait grâce à des câbles. Ce n'était peut-être pas de l'art après tout. Peut-être un relais pour les téléphones portables. Pas si... au sol. Enfin bref. Si j'étais capable de déconstruire ça, je pouvais déconstruire n'importe quoi. Non mais du coup, oui j'allais dire, elle peut escalader des trucs. Mais la fenêtre, elle est fermée. Elle est condamnée. Ah, faut peut-être que je passe à côté. Une barrière. Qu'est-ce qu'elle voit? La fenêtre avait été colmatée avec une feuille de plastique industrielle. La feuille de plastique était épaisse et solide. Il me fallait autre chose que mes mains pour la découper. Éventuellement. Je sais pas trop comment, mais c'est pas la pince à épiler, on est d'accord? Non. Ouais. Enfin, la pince à cheveux, pardon. À épiler. C'est parce que je l'avais en forme de V, c'est pour ça que je dis ça. N'importe quoi. À part ça. Ah, peut-être ça. La carte, elle est peut-être rigide en fait. Non. Non plus. Donc, je vois plus que la douille. Je pense pas qu'elle y aille avec la clé quand même. Ah, ouais, c'est ça. Ok, donc, attends, je vais peut-être observer... Voilà ce que j'appelle de l'art moderne. Quelle est bête. Elle peut passer? Ah, finalement, elle fait comme elle avait fait le tueur, la première fois. Ouais, mais elle va pas être en face à face avec... Parce que le tueur est peut-être encore là. Waouh. C'était le couloir de réception de la porte d'entrée. Trop stylé. Je peux rien faire visiblement. Je sais plus si j'ai sauvegardé. Attendez. J'ai tellement peur d'un plantage ou de faire une idiotie. Ouais, je vais faire ça. Je vais dire Imelda, c'est ça qu'elle s'appelle?
Allez, hop. Ah, y a rien, j'ai pas d'interaction. Non, bah comme tu gères le décor, on va aller dans la lumière, c'est le salon, là où il y a le coffre-fort. Et là, macabre découverte, elle est morte. Mon Dieu! Ah! Je suis arrivée trop tard. Bah, elle est où? Ah, elle est dans le... Imelda. Oh non. Nico, oh, ne vous inquiétez pas. Peur. Tout va bien se passer. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. C'était Merlin, c'est ça? Habillé en cavalier. C'est absurde. Vous êtes venu pour me sauver. Oh, je dois être folle. Laissez-moi vous regarder, Nicole. Depuis le début, vous vous êtes servi de moi. Qui est la véritable Imelda? Vous êtes une fille extraordinaire, Nico. Thierry aurait été tellement fier de vous. Vous ne connaissiez pas mon père? Vous lui ressemblez tellement. Vous avez les mêmes yeux. J'aurais aimé que nous prenions le temps de nous connaître un peu mieux. Elle n'était plus de ce monde. Elle m'avait trompée, m'avait menti et s'était servie de moi. Mais pourquoi? Même dans la mort, Imelda n'avait pas changé. Elle était aussi belle qu'insondable. La reine de glace, seule dans son palais de glace. Elle est morte. Il y avait... Attends, je peux peut-être... Ah, peut-être qu'allumer, ce serait peut-être pas une bonne idée. Une splendide cheminée. Mais je voyais mal les Carchons se faire des câlins devant avec un plateau télé. C'était stupide de vouloir grimper dans la cheminée. Oui, j'allais dire, je suis même surpris que l'action m'ait été proposée. Les Carchons, à l'époque de leur bonheur. En tout cas, avant leur assassinat. Mmh. Ce temps est révolu. Attends, je peux rien faire, je peux pas allumer. Attends, je comprends pas, j'ai loupé un truc, moi. C'était stupide de vouloir grimper dans... Alors attends, je peux peut-être interagir avec un objet dans la cheminée. Sauf que je vois pas du tout. Sacrilège, elle met au feu la statuette de son père. Je rigole, mais je vois pas. Attends voir, elle a... Ah oui, c'est vrai qu'elle a les deux photos, ouais, c'est vrai. Il me manque plus que le milieu d'ailleurs. Ouais, il y a... C'était idiot de partir avant d'avoir cherché des indices. J'apprenais vite. À quelque chose, malheur est bon. Ah, donc j'ai oublié un truc dans la pièce. Attends, là j'ai une action cheminée, mais elle me dit que ça sert à rien. Non, ou alors... Ah, peut-être Imelda, tu me dis... Enfin... Elle est morte, enfin maintenant elle est cuite. Ah! Il fallait que je mette le curseur sur le médaillon. Bah heureusement que j'avais mon curseur sur l'écran au moment de la transition. D'accord. Il y avait un médaillon autour de son cou. Je l'avais ouvert, il contenait une petite clé. Oui, mais je vais pas ouvrir la cheminée. J'avais pris la clé. Je devais partir. Je savais que je ne pourrais jamais revenir. Ouais, avant que les forces de l'ordre arrivent. Attends, la clé, elle me fait flipper grave. Attends, c'est moi ou c'est bugué? Merde, je crois que le jeu est bugué. Ah bah j'ai bien fait de sauvegarder. Mais hé, la clé... je suis en train de penser... Ah non, ça a pas bugué. Ah, pardon, voilà, j'ai rien dit. Je suis tellement pris sous l'émotion que j'ai mis mon curseur sur, en fait, ma projection sur mon écran secondaire pour voir en plus gros le jeu. Parce qu'en fait, je joue en mode fenêtré sur mon écran principal. Et instinctivement, je regarde, en fait, ce que je vous enregistre via OBS. Pardon, c'est moi qui me suis fourvoyé, c'est l'émotion. Oui, j'étais en train de me dire plein de choses.
Je... Attends, est-ce qu'elle a quelqu'un à appeler? Même réflexe que tout. Je n'avais personne à appeler. Non. Est-ce qu'elle a des messages répondeurs? J'ai une idée. Je n'avais aucun message. Ouais, donc ça sert à rien. Mon idée, c'est la clé. Je crois savoir à quoi... C'est la clé trouvée dans le médaillon d'Imelda. Ouais. Elle a une boîte avec une serrure toute minuscule. La question est, pourquoi Imelda avait la clé et elle la boîte? Et là, on apprend que c'était sa mère. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit au sujet de ses parents? Je me souviens de ce qu'elle avait parlé de son père. Mais sa maman, je sais plus. La maman de l'héroïne, je sais plus. Oh, faudrait que je revoie le premier épisode. C'est obligé, c'est ça. Cette boîte avait été sculptée par mon père. Elle n'avait jamais eu de clé. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. Eh oui. Cette boîte était l'un des rares objets laissés par mon père. L'éléphant gravé sur le couvercle était... Tu radotes, ma grande, je voulais faire une observation de la serrure. J'avais pris la clé. Eh, c'était sûr. Je n'en croyais pas mes yeux. La clé d'Imelda ouvrait la boîte de mon père. Je redoutais ce que j'allais trouver à l'intérieur. Oh, une photo d'Imelda. Enfin, je crois que c'est elle. Il y avait une lésion entre Imelda et son père. Donc... Attends, Carchon serait cocu. Non, attends, sérieux? Je comprends plus. Je sais plus. C'était une photographie d'Imelda. Mais que faisait-elle dans la boîte de mon père? Ouais. Je m'étais sentie comme aspirée par un trou noir. Imelda et Carchon, tous les deux souriants, alors que derrière eux, un village avait été rasé et ses habitants massacrés. Et là, à côté d'eux, me fixant des yeux par-delà les années, mon propre père. Il y avait une lettre. J'avais peur que le pire soit encore à venir. Tu m'étonnes. C'est dingue, j'ai des bribes de souvenirs de... Ah, j'ai pas le droit de sauvegarder. Ah, c'est peut-être parce que je suis dans la vue... Elle est sous le choc. Elle lira le message plus tard. Non, ah, je peux pas. Ah, vous avez du bol. J'aurais été vilain, je vous aurais guaqué. J'aurais lu le message au prochain épisode. Ouais, allez, je vais lire la lettre. Et puis on se quittera là-dessus, parce que ça va faire une heure d'enregistrement. Cette boîte avait été sculptée par mon père. Elle n'avait jamais eu de clé. Mais arrête de dire des sottises malheureuses. J'avais pris la clé. C'est dingue d'avoir, donc je disais, des bribes de souvenirs d'un jeu, mais plus les pièces du puzzle, parce que ça... Enfin, ça perturbe... Enfin, c'est bizarre. Bon, allez, la lettre, et puis on voilà. Hôtel Saint-Georges, Alger, vendredi. Thierry, chéri, à l'heure où tu liras ces lignes, tu seras en sécurité loin de l'Afrique. Ne crains rien, Pierre et l'organisation ne savent rien. Ni pour qui tu travailles vraiment, ni pour notre relation. Crois-tu que je pourrais te trahir? Non, c'est impossible. Tu voulais que je le quitte, mais je n'ai pas ton courage. J'en sais beaucoup trop sur ce qui s'est passé ici. Il me trouverait et nous tuerait tous les deux. Je te souhaite une belle vie à Paris, Thierry. Ta vie, une vie d'honneur et de devoir patriotique. Est-ce qu'on donne des médailles aux espions? Non. On leur offre simplement un poste bidon dans une ambassade quelque part. Je ne pourrai jamais partager ça avec toi. Tu m'imagines en femme de diplomate? Alors je dois rester ici avec Pierre. Nous sommes tous deux liés par ce que nous avons fait à ce pays. Au revoir, mon amour. Tu resteras dans mon cœur jusqu'à ma mort. Imelda. Tout devenait soudain logique. Mon père travaillait en secret pour le gouvernement. Il n'était pas dans le camp des méchants, finalement. Imelda et lui avaient dû tomber amoureux. Elle avait découvert sa véritable identité et il avait dû partir. Elle avait eu le cœur brisé, mais n'en avait jamais vraiment parlé à personne. Moi-même, je n'aurais pas pu. Il avait de bonnes raisons de garder le secret sur ses agissements. J'avais décidé de respecter son désir et de n'en parler à personne. Elle est tellement secouée qu'elle referme même pas sa malle. Ah, transition peut-être. Non ?
Ah oui, le lendemain matin. Non. Je savais que c'était Georges. Elle a pas pendant un instant, j'avais eu envie de faire comme si j'étais sortie, ou de lui demander de partir et de revenir plus tard. Mais... Entre ! Salut, Georges. Alors, où étais-tu hier soir ? Chez McDavid. J'ai bu un verre avec Doyle et deux autres types. Ce qui explique ta tête d'aujourd'hui. T'as dormi au moins ? Pas beaucoup. J'ai dû partager ma chambre avec un autre gars. Et il ronflait ? Pas vraiment. Il était mort. Et tu dis que Pigram avait disparu ? Sans laisser de traces. Mais ma visite n'a pas été totalement inutile. Le joyau de Pigram ? Le joyau des Templiers. Qui que soit ce Jacques Marquet, il va être déçu. Jacques Marquet ? C'est le gars à qui Fitzgerald devait remettre la pierre précieuse. Que comptes-tu faire ? Je veux savoir qui est Montfaucon ou ce que c'est, et le trouver. Mais tout ce que j'ai pour le moment, c'est un nom et l'image d'un homme pendu. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que je peux sauvegarder maintenant ? Parce que j'aimerais faire des épisodes juste d'une heure environ. Mince, je me refais avoir comme tout à l'heure. Je ne peux pas rester ici toute la journée, même si ça ne me déplairait pas. Ok, n'oublie pas de voir Lobino au musée Krune. Et pourquoi n'irais-tu pas vérifier si Rousseau n'a rien de nouveau ? Ok, je peux faire quelque chose d'autre pour toi tant que j'y suis. Des courses ? Un petit voyage au pressing ? Contente-toi de prendre soin de toi. Ils sont trop mignons. Mais hé, j'ai plus la main là. C'est une véritable bande dessinée film. Enfin, dessin animé, je veux dire. Je peux sauvegarder ? J'avais tellement envie de parler à Georges de tout ce qui s'était passé, mais je savais que je ne pourrais jamais. Les liens de mon père avec l'Afrique devaient rester secrets. Son courage ne serait connu que du gouvernement et de moi. En parler ne ferait que salir sa mémoire. Les gens déformeraient la réalité en apprenant cette histoire. Il serait vite accusé d'être le méchant et Karchon serait érigé en héros. Je savais comment ça se passait. J'étais journaliste. Terrible ironie. Oui, je joue Georges. Je sais pas, je joue au café de la chandelle d'art. De toute façon, je veux sauvegarder. Je veux sauvegarder. Oui, c'est ça. Reprise pour enregistrement, je vais faire comme ça. Bon, bah, suite au prochain épisode, merci d'avoir regardé. Ah, quelle aventure. Mais non, c'est génial. C'est super agréable. Allez, prenez soin de vous. Ciao, merci les copains. À plus, bisous.